Bonjour, je m'appelle Marianne, j'ai 27 ans et je suis chef de mission chez Fortune depuis 2 ans et demi. Être chef de mission chez Fortune, c'est principalement aider les collaborateurs lors de leurs travaux, ensuite intervenir en révision lors des arrêtés trimestriels, et puis être en contact avec le client tous les jours, et puis intervenir aussi lors de ses missions ponctuelles comme des fusions, des acquisitions. Chez Fortune, le principal atout par rapport à d'autres cabinets, c'est qu'on est capable de faire évoluer les collaborateurs qui de base n'avaient pas forcément lieu d'évoluer dans d'autres cabinets, et notamment d'exploiter un potentiel qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Par exemple, moi je suis arrivée, j'étais junior, je sortais d'études, et moins d'un an après, je me retrouve à manager 8 personnes, à être en direct avec les associés, à être le contact préférentiel des clients. Et si on m'avait dit ça il y a 2 ans, je ne l'aurais pas du tout imaginé. Donc c'est pour moi la plus-value de Fortune, c'est d'arriver à exploiter les potentiels et de nous faire prendre confiance en nous professionnellement. Chez Fortune, premièrement, l'ambiance est bienveillante. Travailler avec les associés au quotidien, c'est un plaisir. Et puis, le principal atout par rapport à d'autres cabinets comptables, c'est que Fortune est capable de faire sortir un potentiel que nous-mêmes, on ne savait pas qu'on avait en nous. Par exemple, je suis arrivée chez Fortune il y a 2 ans, en junior. J'avais pas beaucoup de bases de comptabilité. Et un an après, je me suis retrouvée à manager une petite dizaine de personnes, à aider des collaborateurs, à intervenir sur des missions. Je pense que pour les collaborateurs qui veulent nous rejoindre, le principal, c'est de prendre le risque et de tenter leur chance. Si je devais retenir un souvenir chez Fortune en dehors du boulot, ça serait le séminaire qu'on a fait l'année dernière, en mai. Donc on en fait chaque année, mais cette année, on est parti un peu au sud de Bordeaux, dans un château. Et principalement, on a fait une activité Koh-Lanta. Donc tout le monde a participé, on s'est rejoint entre Fortune Paris, Luxembourg et Île Maurice et Blois. Et on a fait du coup ce séminaire avec l'activité Koh-Lanta où tout le monde était totalement partant et ça nous a sorti un peu de notre quotidien comptable. Si tu te poses la question de rejoindre Fortune ou pas, premièrement, n'aie pas d'inquiétude sur le fait qu'on soit spécialisé en immobilier. Je n'avais pas de connaissances en immobilier et ça ne nous arrête pas pour progresser et évoluer. On apprend vite, on sera là pour t'accompagner. Et deuxièmement, on a l'avantage des gros cabinets parce qu'on a des gros clients. Mais on a aussi l'avantage des plus petits cabinets avec une ambiance qui est bienveillante. Travailler en open space et avec les associés, ça nous fait tous progresser au quotidien.